make it. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une activité qui va vous permettre de gagner pas mal d'RP quasiment en AFK. Donc je remercie Kamesh qui m'a indiqué et qui m'a donné les liens de ces activités. Donc vous trouverez les liens des activités dans la description. Il y aura un lien pour PS3, PS4 et un lien pour Xbox 360 et Xbox One. Donc il vous suffit simplement d'aller sur ce lien, donc ça va vous envoyer sur le Social Club, sur la page de la course. Il vous suffira simplement de cliquer sur ajouter la course et donc il faudra que votre jeu GTA soit éteint. Et quand vous allez le relancer, eh bien dans vos favoris, vous aurez cette course qui sera apparue. Donc une fois que vous avez lancé la course, vous allez mettre un maximum de manches. Moi je mets 7 manches. Parce que du coup, les 7 manches vont s'enchaîner. Et c'est 7 manches gagnantes. Donc, en plus, ça marche très bien. C'est quasiment, on gagne un coup sur deux. Donc, on va faire un total de quasiment 7, 14, 4, ouais, 13, à peu près 13 manches. Je ne sais plus exactement combien de manches on a fait. Mais c'est pas loin. Et du coup, vous allez pouvoir gagner jusqu'à à peu près 10 000 RP. Pendant ces manches là chacun, donc à la fin pas par manche hein, c'est vraiment la totalité, donc chacun, donc moi et Kamesh, on va gagner à peu près 10 000, un peu plus de 10 000 RP chacun. Donc là vous pouvez voir que je commence avec 4 506 742 RP. Donc là ça va durer quasiment un bon quart d'un peu moins de 13 minutes à peu près. Ça dépend si vous appuyez sur croix entre chaque petite mission. Et comme vous pouvez le constater, je monte dans le ciel. L'activité se fait toute seule, j'ai même pas à bouger. Et dès que la truc est fini, on monte dans le ciel et on n'a vraiment rien à toucher. Ça redescend directement et ça enchaîne tout seul. Donc j'en profite pour vous inviter tous à venir sur le forum, mon forum. Donc il y aura le lien de mon forum dans la description. Donc là, dernièrement, tout le graphisme a changé pour plus coller à ma chaîne. Donc je vous invite vraiment à y aller, même si il en est dans les débuts et qu'il n'y a pas encore énormément de contenu à partager avec tout le monde. Plus il y aura de monde, plus vous viendrez nombreux, plus vous partagerez aussi vous aussi ce que vous avez à partager, et plus ça sera un forum sympa. Donc parce que des forums comme ça où on peut vraiment partager un peu tout sur les jeux, les machins et tout ça, en France il y en a mais pas énormément, et puis c'est plus tendance à, enfin j'ai souvent quand on veut une info, même si on va sur le forum, les gens ils vous donnent pas l'info, ils vous connaissent pas, enfin c'est des putes en général. Donc tout simplement j'ai décidé de faire mon forum avec avec mes règles, on va dire ça comme ça. Donc je vous invite vraiment à y aller, vous y trouverez un peu de tout, que ce soit des glitches, des trucs, des astuces, que ce soit sur GTA, sur, ça pourrait être d'autres jeux, ça pourrait être des trucs sur PC, sur petite console. Ça peut être des hacks, des trucs, des sauvegardes modifiées, si vous avez été ban sur votre console, il y a aussi des possibilités d'acheter des consoles identifiants, de choper des comptes déjà tout prêts, de GTA, tout modé, enfin tout, vous avez déjà un niveau 120, vous avez déjà un peu d'argent, vous avez déjà débloqué quelques trucs. Donc il y a pas mal de petits trucs, faut vraiment faire le tour. Donc voilà, donc là on va arriver à la fin des activités. Donc on en a, moi c'est moi qui ai gagné, j'en ai gagné donc 7 et Kamesh en a gagné 6. Donc ça fait 7 et 7, 14, 13. 13 activités, enfin 13 manches d'enchaîner. Et à la fin de ces 13 manches, donc vous pouvez constater que j'ai commencé avec 4 506 742 et que je finis avec 4 517 092 RP, ce qui fait un gain total
donc de 10 350 RP gagnés. Donc voilà, j'espère que ce glitch vous aura plu et on se retrouve donc très bientôt pour un prochain tuto. Salut à tous!